fait le tour du monde quand un restaurateur de Montréal s'était fait reprocher d'avoir utilisé des mots italiens dans son menu. Eh bien, pour éviter d'autres histoires du genre, l'Office de la langue française revoit l'ensemble de son mode de traitement des plaintes. L'histoire du boudin noté a fait mal paraître le Québec sur la scène internationale. Le dérapage d'un fonctionnaire zélé ne sera plus possible. Dorénavant, ces fonctionnaires devront exercer leur jugement critique dans le traitement des plaintes. Une commissaire à la qualité des services a même été nommée et veillera à faire un suivi rapide des plaintes provenant des entreprises et des citoyens. Plus question d'interdire les termes reliés à la cuisine internationale. Les Québécois et les Québécoises, les Montréalais, accepteraient jamais qu'on soit dans un autre univers. C'est un enrichissement, là, cet apport-là, notamment dans la cuisine. Un pastagate pourrait-il être réédité? Eh bien, ça dépend à qui on pose la question. Selon la ministre, c'est peu probable. Selon le propriétaire du boudin noté, ça pourrait arriver. Que de mauvaises décisions ou de mauvais cas soient montés en épingle, à ça, je ne peux pas vous offrir une assurance à 100%. Il pourrait encore y avoir des failles dans le système et un pastagate pourrait toujours se reproduire. À partir de maintenant, les plaintes seront triées en fonction des intérêts personnels ou des intérêts collectifs. Chaque plainte sera analysée selon la gravité de l'infraction. L'OLF va prioriser l'affichage, les publicités et les inscriptions sur les produits de consommation. L'intention du Parti québécois n'est aucunement de diminuer la paperasse, mais d'essayer par l'annonce d'aujourd'hui de dire qu'il va en avoir autant. Alors, on avait besoin d'une cure de jeunesse. Reste à voir ce que ça va donner dans la vie de tous les jours. L'avenir nous dira si le nouveau mode de fonctionnement de l'OLF va fonctionner ou pas. Une chose est sûre, le Québec n'a pas besoin d'une publicité comme celle-là. Maximo Leca prétend avoir reçu des appels de journalistes en provenance de 84 pays. Charles Faribault, TVA Nouvelles, Montréal.